Ariel Henry comme premier ministre. Là, il mourit, concept qu'il y a l'opposition qui a promis contre Jovenel là, il propose, il fait sortir une note, il dit que il veut c'est pour Jovenel, c'est pour Ariel Henry, et pour gouverner comme premier ministre pour assurer la transition. Ok, nous là. Est-ce que nous là. Ok, il dit ça, bon, nous choisit. Et tout le monde, nos dizaines de partis politiques qui sautent notre pour appuyer Ariel pour gérer la transition après Jovenel. À l'époque, Blanc dit qu'elle parle en Jovenel, il parle à Ariel. Il parle à Ariel, c'est l'ancré de Joseph Lié. Il parle à Ariel là. Donc, et il dit, mais c'est bizarre. Comment fait le président qui mourit en choisit un premier ministre? Et puis, bon secteur de l'opposition qui t'a promis là, nous dit que n'y a pas de problème avec le Premier ministre. En nous, c'est bien comme Premier ministre. Mais, Blanc dit non, il n'y a pas la donne. Il y a Claude Joseph. Maintenant, Claude Joseph, Premier ministre, en pire de tractation après, maintenant, c'est qu'un salaud qui t'a appuyé à Ariel Henry. Il dit non, il n'y a pas la Ariel encore. Donc, et j'ai besoin de l'autre schéma, de l'autre compromis pour joindre le ballon Ariel. Pendant cette a retiré soutien à Ariel, plein dit bon, ok, d'accord, nous l'Ariel qu'on y a. Ça me l'a dit là. Il y a pas Ariel, c'est Ariel qu'on est. Il y a une stratégie dans le pays ça depuis avant 1915. L'ancien 19e siècle, rivé dans le 20e siècle avec l'occupation américaine qui commençait en 1996. C'est diviser l'haïtien. C'est diviser l'haïtien, empêcher Antonio. Autrement dit, si Ariel Henry, en 1900, après la mort de Jovenel, que c'était paysan avec secteur politique qui était imposé, ou bien qui était d'accord pour Ariel Henry, premier ministre, plan lui-même, il a perdu le contrôle processus politique. Là. Or, comme il voulait bien contrôle processus politique, là, faut que nous avons dirigé haïtien. Il a l'élection, il faut qu'il y ait un peu de vote. D'ailleurs, là, on a côté du matin, c'est passé par Jovenel. Regardez combien de monde qui vote en président. Moins qu'un million de monde sur une population de près de 12 millions. Donc, vous êtes condamné à avoir des crimes à répétition. Vous êtes condamné à avoir des récurrences de crises de stabilité parce que ceux-là qui nous gouvernent ne sont pas représentatifs de la volonté de la majorité de la population. Donc, autrement dit, nous nous sommes prêtés pendant longtemps à ce jeu de Blanc. Et puis, nous pensons que nous avons gouverné avec Blanc, mais Blanc a besoin. Il a besoin des dirigeants haïtiens qui n'ont pas de légitimité suffisamment, qui n'ont pas de base sociale suffisamment, qui peut garder après l'homme au président Jovenel. Blanc a supporté, mais qui m'ont été prêté pour la route des manifestations. Personne. Parce que Jovenel, non seulement il était élu avec un faible. On fait le score près de 500 000, mais aussi l'idée d'une quelque part d'une légitimité populaire avec bonne contestation et satisfaction de la population pendant réunion. Mais c'est ce que nous, c'est ça dans le vivre là, vous connaissez avec Ariel. Vous avez un monsieur que le Blanc a soutenu, monsieur Ariel Cognac, après que Blanc s'est disparu. Il a vu accepter le Gonia parce qu'il vient affaibli, il n'a pas une grande légitimité politique encore. Et adhésion à l'autre secteur politique qui était capable de parler, il a affaibli et puis il a quitté le pouvoir. Et puis jusqu'à ce que le Gonia là, pour se donner de la légitimité. De la légitimité, même si la démarche de tu ne peux pas t'asseoir dans un hôtel avec un série de monde qui presque pense le même genre avec vous, ok, ou je ne vais pas accueillir le Montana, c'est bien que les Haïtiens sont réunis. Mais maintenant, tu décides toi-même qui sera président, qui sera premier ministre, ok, tout cela c'est bien, puisque on est capable de rêver en politique. Mais, monsieur et Ariel aurait dit s'adjoindre les forces qui étaient là comme
Montana d'une façon ou d'une autre pour capable bailler les pieds, pour élargir base politique pour gouverner pays. Il aurait dû faire ça. Au moins, à ce moment, par contre, il faut mieux nous apprendre, ou bien le président, ou bien le premier ministre, je ne sais pas. Mais il aurait dû s'adjoindre cette force politique quand même, qui est entendu, puis on joigne aux formules, même s'il avait une certaine dose d'utopie un petit peu exagérée, un petit peu aussi infantile. Mm-hmm. OK? Donc, maintenant, c'est dans le cas que nous là, l'ICOP qui est un petit groupe et qui sont dans la même mouvance politique à elle, ancien Pampra, ancien Unité, ancien Vérité, tout bagage à eux, puis au fond, ils cliquent et puis à gouverner. Et puis à gouverner, ils ont confisqué le pouvoir pour eux, ils n'ont pas créé les conditions pour élargir la base d'adhésion politique dans le pays, ils n'ont pas créé les conditions pour créer apaisement social dans le pays, ils n'ont pas embauché, ils n'ont pas créé les conditions pour rendre le pays dans une certaine normalité, et pour eux, ils même les comptent. Blanc content, on jouait ça. Mm-hmm. Et puis, pas lui en colonne, c'est le même blanc qui est venu, qui soi-disant cap vini pour une propre démocratie. Hein. Est-ce qu'on oublie? C'est le même blanc ça, yo, qui acceptait que Matéli fait 4 ans, 5 ans, pas jamais fait élection, et puis il a soutenu quand même. Comment peux-tu dire comme organisation internationale que tu es venu soutenir le processus démocratique en Haïti, que tu es venu renforcer les institutions existantes? Tu as accepté que monsieur Eli, il passe l'élection, Michel Martelly, il fait 4 ans par jambe dans l'élection de cette pays. Il faut équipe CEP démagogie, et puis blanc toujours soutenu, envers et contre tous. Mm-hmm. Mais il faut se poser la question, quelle a été la mission de ces blancs? Mm-hmm. Est-ce que c'est parce qu'on compte du pays en situation que nous là? Jusqu'à ce qu'on ait eu à tourner en force ouvertement, nous parlons de Bini encore, puisque le Bini pas correspond à agenda international, il y aura, que nous ne connaissons, mais qui est presque lisible dans leurs attitudes, leurs comportements, leurs actions, les décisions qu'ils soutiennent en Haïti. Après que l'élection fut faite, et sous président Biver, eh bien, Jovenel Moïse, lui, il va jamais faire l'élection non plus. Jusqu'à ce qu'il y ait eu au pouvoir dans l'élection, blindé avec Jovenel jusqu'au bout, avec Ariel toujours, je n'ai pas posé aucune action qui montre que des besoins de normalité, je n'ai pas encore politique qui pourrait un pays à plus ou moins gouvernable et stable, blanc d'elle, de ce qui l'a réuni ensemble avec lui. C'est quoi? Pourquoi le blanc veut tirer à ce que ce soit des dirigeants sans base populaire, sans légitimité politique large, sans une certaine légalité constitutionnelle réelle qui pour gouverner le pays, hein, et pour qui raison? Un peu capable de jouer chaos que nous là. Mmh. Et c'est dans ce chaos que les gangs ont été entretenus avec l'accord du blanc. Parce que, pas oublier, lorsque la fédération de gangs G9 s'est faite, madame la Limsa, l'Italie de la Conseil de sécurité de l'ONU, pour dédicer une plus bonne décision qui prend président Jovenel Blanc pour faire la paix. Qu'on y a fait même lui, même gang qui a appuyé la décision de cette capable de dire, aux sociétés qui ont sécrété des gangs, avec l'aval de l'État, eh bien, maintenant, quand tu es dans l'ONU, dire Canada, il n'y a pas de construction contre gang, mais c'est une blague. Mais gang va voyager, il n'y a pas de compte en banque, et leur voyager, c'est avec adhésion, même blanc d'ailleurs encore. Puisque blanc, on connaît ses chefs, il n'y a pas de visa quand même, pour entretenir. Donc, autrement dit, le désordre, le chaos qui vient en Haïti, il est entretenu aussi bien par l'international que par les Haïtiens. Exactement. Qui les deux constitués, ça me fait capable de les congestionnaires du chaos, les congestionnaires de la situation politique désastreuse que nous avons en Haïti et je n'ai pas dit. Lorsque je sens, moi, mais allô? Alors, avant de continuer. Allô? Oui, allô. Avant de continuer, moi, j'ai une question par rapport avec historique au fait de présence de l'international. Je vois bien. Est-ce que ça passe maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Allô? Yves, allô, est-ce que vous voyez bien nous là? Allô, parlez-moi. Oui, nous t'avons comme ça, et bon, est-ce que vous voyez bien nous là? Est-ce que nous t'avons plus ou moins, mais c'est quand même mieux, mais quand même, nous t'avons plus ou voilà, okay. Voilà. Et bon, justement, et par rapport, n'a vini sous question et demande. On est un peu de bien, n'a vini pour, sous question de demande pour une nouvelle force là, mais par rapport à ça qui passé hier, hein, hier soir là, et moi t'as posé question ça,
Et ça qui passe, c'est sûr que son tactique de communication volontairement fausse, mais des acteurs, eux-mêmes, utilisé hein, pour capable faire avancer leur objectif. Donc maintenant, est-ce qu'on pas questionner acteur ça par exemple qui t'a qui